Depuis des décennies, l'Iran est au cœur des crises du Moyen-Orient. Mais depuis quelques mois, la tension s'est considérablement aggravée et on voit mal quel est le chemin d'une sortie de crise. Face à un régime iranien qui semble surtout préoccupé par sa survie, quel qu'en soit le prix, la politique américaine de pression maximale n'a pas rendu la région plus sûre. L'accord de Vienne se défait, la guerre au Yémen se poursuit, le mécontentement des peuples, en Irak comme en Iran, se heurte à une répression brutale. Le Liban est dans la tourmente. Il est temps de revenir à la diplomatie. Il est temps que l'Europe fasse entendre sa voix, la voix de la raison, et qu'elle rappelle ce que sont ses priorités. La non-prolifération nucléaire et la lutte contre Daesh, qui sont les laissés-pour-compte de la crise actuelle. Ces priorités, nous les partageons tous. Alors agissons et cessons d'observer impuissants une poudrière à nos portes. Nous comptons sur vous, Monsieur le Haut-Représentant.